Coucou à vous, bienvenue pour un rituel aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On va faire un rituel concernant le sentimental. Un rituel qui pourrait vous intéresser lorsque vous savez, vous sentez qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui désirent que vous vous sépariez de votre partenaire. Donc c'est surtout pour les couples où vous voyez une intrusion, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit des amis, que ce soit une ex, que ce soit une femme ou autre, qui désire séparer votre couple. Ici, on va faire un rituel de déblocage. Donc, ça veut dire que votre partenaire et ces personnes qui essaient de vous séparer ne seront plus du tout en contact, ne pourront plus se parler et seront comme chien et chat. Donc, votre autre va revenir vers vous. Ok, alors, si ce rituel vous intéresse, je vais vous expliquer ce qu'il vous faut. Il vous faut votre bol de rituel, un bol de rituel comme toujours. Ensuite, je vous dis un petit peu ce qu'il vous faudra. Donc, une cuillère, du sel, trois cuillères de sel, sel fin ou sel marin. Il vous faudra du piment en poudre. Il vous faudra du vinaigre. Et de l'huile. Alors, on va commencer. Il va falloir marquer, je ne peux pas vous le montrer, sur un papier, le prénom, si vous avez la date de naissance, et sur un autre papier que vous avez préalablement déchiré sur les côtés, hein, vous voyez, donc le papier, je déchire, les prénoms ou le prénom d'une personne avec les dates de naissance, si c'est possible. Sinon, simplement le prénom. Donc, toutes les informations que vous avez sur l'autre personne. Pour que ces deux personnes ne se parlent plus, ne puissent plus se voir, ne puissent plus interférer entre vous et votre partenaire, vous mettez donc ces deux papiers dans un bol. OK? Maintenant, on va utiliser 3 cuillères de sel. On va recouvrir, bien recouvrir ces deux papiers avec beaucoup de sel. Déjà, le sel purifie, protégera votre couple. Mais là, on va rajouter autre chose. Ensuite, après avoir mis le sel marin, vous prenez le piment. Déjà, le piment, c'est justement pour séparer les personnes ou pour enlever un sort de blocage entre vous et votre partenaire. Donc, vous mettez du piment en poudre. On peut utiliser aussi du piment séché. Si vous avez du piment séché en petits morceaux, ça peut aussi aller. Vous allez devoir garder ce bol 2 jours. Donc, j'en mets beaucoup quand même, voilà, pour que ce soit le plus efficace possible. Ce qui sera efficace, c'est surtout l'intention. C'est de séparer une personne malveillante ou plusieurs personnes malveillantes, si vous avez les noms, de votre partenaire pour qu'il vous revienne. C'est vraiment le but. Ensuite, vous allez mettre pas mal de vinaigre, vinaigre blanc, vinaigre comme vous voulez, sur ses prénoms. Et ensuite encore, on rajoute 2 cuillères à soupe d'huile pour bien les séparer. Ça, c'est vraiment pour que ça sépare. Ça fait une jolie mixture. Voilà, vous pouvez bien mélanger et surtout recouvrir ces deux papiers. Voilà, on ne voit plus les papiers. C'est totalement recouvert de vinaigre et d'huile. C'est un procédé qui va faire se séparer ces personnes malsaines de votre partenaire. Donc là, on a terminé le rituel à proprement parler avec les ingrédients. Donc je vous rappelle, du sel, des papiers. Quand vous allez écrire le prénom de la personne, vous prenez un papier et vous le déchirez
sur les quatre côtés. Hein. Je vous montre un exemple. Soit toujours, c'est généralement comme ça que l'on fait pour le rituel. On déchire les quatre côtés. Et ensuite, vous marquez le nom sur cette, sur ce papier-là de votre partenaire et des personnes qui cherchent à vous bloquer. Donc, papier avec un stylo noir. Ensuite, prenez du sel marin qui est au moins 3 cuillères à soupe. Je vous recommande le gros sel. Ensuite, du piment. Du piment et sinon du piment séché en petits morceaux. Pas mal pour que ça recouvre bien les deux papiers. Du vinaigre, comme je vous l'ai dit, du vinaigre blanc. Et puis de l'huile d'olive ou d'huile de tournesol, comme vous voulez. Donc ça, c'est les ingrédients. Ensuite, la seconde partie, ce sera l'intention que vous y mettez. Donc, vous demandez d'être protégé par vos guides. Merci mes guides de me protéger. Donc moi, j'utilise mon magnétisme. Avec vos mains, vous venez autour de votre bol de rituel et vous dites, je demande un déblocage de ma situation de couple entre telle personne et telle personne. Je demande le déblocage et je demande la séparation. Je demande que les personnes mal intentionnées qui désirent séparer mon couple disparaissent, ne viennent plus parler, ne viennent plus intervenir dans mon couple. Merci. Amen. Amen. Dites-le avec votre cœur, comme vous le ressentez. D'accord? Voilà. Ensuite, ce rituel, vous allez le mettre, ce bol, sous votre lit pendant 2 jours. Et après 2 jours, normalement, ces personnes qui interviennent ou qui veulent votre homme ou qui veulent tout faire pour que vous ne soyez plus avec votre partenaire, je vous ai dit au début, ne seront vraiment plus possibles et compatibles. Ils ne vont plus se parler, ils vont être comme chien et chat. Ça va faire vraiment comme l'huile ici se sépare de l'eau. Ce sera vraiment deux unités différentes et impossible de se mettre ensemble, impossible d'intervenir sur votre ex, sur votre partenaire qui peut être votre ex actuellement. Et c'est pour le faire revenir que ces personnes malveillantes sortent de sa vie. Voilà, j'espère que ce rituel va vous aider. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Et je vous remercie de vous abonner à la chaîne pour les tirages du mois amoureux et les rituels. Merci de me retrouver sur les lives aussi régulièrement où je réponds à vos questions si vous en avez besoin. Je vous remercie. À tout bientôt. Bye bye.